Les sorciers, là. Venez ici. Dieu crée viande pleine à la brousse. Il y a viande, poulet. C'est pour l'homme là où vous voyez, il fallait manger. Il n'est pas sorcier. Il n'est pas sorcier. Est-il aussi? Hein? Et tu ris. C'est un sorcier qui fait malin. Ah, c'est un sorcier qui fait malin. Où est le sorcier? Je vous ai demandé. Pourquoi il ne parle pas? C'est que vous n'avez pas compris. Je suis derrière ou devant, non? Vous n'avez pas derrière ou des policiers. Vous êtes sorcier. Oui. Ça fait dire là, des sorciers. Tu manges l'homme. Tu tues l'homme. Monsieur. Les sorciers. Ta tête là, bizarre parce que c'est un sorcier. Tu tues l'homme. Madame, tu veux sourire là. Tu envoûtes les plats déjà. Tu sais pas, un matin tu tombes malade, tu comprends rien, on ne peut pas te soigner. Tu meurs. La voici là. Madame, dragonnier, toi tu es le dragon. Les gens, ils ont chat, chien, caniche. Toi, c'est dragon, tu as vu. Oh, dragon, il m'a l'homme. Tu as toujours donné des gens de l'homme. Les gens, c'est que des problèmes. Les chiens qui mangent, même nourriture que nous, là, vous les laissez. Hein? Mais dragon qui boit sang des vampires, là, c'est ça que vous partez élever. Quelque chose qui va donner problème. C'est pas ça? Tu es dragonnière. Lève ta tête. Voici la reine. C'est une vieille mère, elle a fini ça. Hein? Ça va? Ça va, madame. Un peu seulement. T'as pas beaucoup, un peu, petit. T'es sorcière. Hein? Oui, papa. Tu l'aimes beaucoup. Tu l'aimes beaucoup. Chacun fait son travail. Quand elle reconnaît, au moins elle, c'est bon. Tu jettes dans la mer. Amen. La mer. Un pygmée. Tu dis pygmée. C'est ça? Oui, papa. C'est pygmée. Non, c'est à cause de tes ennemis comme ça. À cause des pygmées, là, tes ennemis comme ça. Madame, tu es sorcière. Parle, tu as quel problème? Tu es sorcière. Pourquoi on te force de parler? Non, oui, papa. Tu es sorcière. Madame, tu es sorcière. Tu as quel âge? Hein? Hein? Elle ne connaît pas son âge. Elle a quel âge? Hein? On me disait qu'elle avait 22 ans la dernière fois. Faut pas réduire son âge. Elle connaît. Maman, tu as dit la dernière fois que tu avais 22 ans. Toi-même, tu m'as dit ça ici. Mais tu. Dieu, quand tu partageais taille là, toi, tu étais où? Tu allais te promener. Tu deviens quoi quand tu fais sorcellerie là? Madame, quand tu fais sorcellerie là, tu deviens quoi? Toi. Tu m'en vas fraîche? Non. Bien. Tu fais quoi ici? Elle devient quoi? Elle se voit. S'il vous plaît. Tu deviens quoi? Tu deviens tortue. Tu es tortue. Elle est intelligente. Donc, affaire de l'homme, là, ça ne t'intéresse pas. Tu es l'homme qui n'est pas contente. Dieu est en train de nous bénir, toi tu deviens tortue. Comment tu as grandi? Le Seigneur se réveille matin pour nous distribuer les grâces. Toi, c'est tortue. Tu vois qui te bouffe là? Ouvre
voulez quoi? Vous tous, vous voulez quoi? Hein? Est-ce que vous voulez vous délivrer? Papa, il veut pas. Oui, papa, on a besoin de toi. Est-ce qu'on peut vous délivrer? Oui, papa. Bien sûr. Oui, papa. Vous mangez bien, là? Vous voulez être délivré? Oui, papa. Mais vous faites quoi chez le diable? Pourquoi vous partez chez le diable? Le Seigneur est là et c'est le diable qui vous intéresse. Madame, oui, papa. Tu ne vas pas à l'église. Moi, je ne vais pas à l'église. Et pourquoi? C'est maintenant que tu cherches à l'église. Dieu t'a fait quoi? Dieu t'a fait. Il t'a fait et puis tu fuis Dieu. Nous, on va chez Dieu, toi tu le fuis. Et puis tu voulais manger le prophète. Eh, donc on. Un peu de Akassa à côté. Tu veux manger le prophète Akassa? Il t'a fait quoi? Avec Akwesi. Ça n'a pas trop de donc on a Akassa. Elle fait Akwesi. Eh, pardon, laisse-le. Laisse-le. Vous voulez être délivré? Oui, papa. Vous êtes sorcier ou vous n'êtes pas sorcier? Hein? Qui veut parler? Qui veut parler? Qui n'a pas levé le doigt? Tu veux pas parler? Tu n'as rien fait? On t'a fait, on te force pour parler ou bien? C'est moi qui t'ai envoyé ici. Hein? C'est moi qui t'ai envoyé ici. Vous voulez vraiment, c'est bon que je vous regarde. Si on te dit que tu es tortu, tu vas parler à quelqu'un. Ouais, bien sûr. Oh, toi-même, tu es vrai, vrai tortu. Tu as ce que tu as dit ça? Nous, on cherche à être bien. Le Seigneur n'a qu'à nous bénir. Toi, tu cherches à être tortu. Hirondelle. Vous voulez parler? Hein? Toi, tu manges l'homme. Toi, tu dis ça. Tu tues. Toi dis-tu, elle est venue avec qui? Hein? C'est ta fille? Tu as tué? Tu as tué? Tu as tué qui? Hein? Mon oncle. Comment tu l'as tué? Tu l'as tué par accident. Par accident? Tu as fait comment? Parle fort. C'était le jour de mon anniversaire, il venait à la maison. Le jour de ton anniversaire, ton papa, ton oncle venait à la maison. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Parle fort, parle fort, parle fort. Elle dit quoi? Elle m'a pas dit si on répétait quelque chose d'après elle, c'était pour tuer mon nom. Attends, ton oncle est venu, tu l'as tué comment? Hé, hey, vous faites la sorcellerie ensemble? Moi. Oui. Non. Mais assieds-toi. Tu es Djaouli, Djaouli, Djaouli. Non, 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 pourquoi la mettre sous pression? Pourquoi? Il n'y a pas de micro. Elle-même sait ce qu'elle a fait. Ah, brave. Elle-même sait ce qu'elle a fait. Ou bien? Ah, non, laisse-la parler. Ici, on ne met pas les gens sous pression. On ne la force pas. Il faut les laisser parler, puis même on va les délivrer. Elle, c'est moi qui l'a dit de la voir ici. Elle a accepté de venir, non? Non, laisse-la parler. Pourquoi l'influencer dans ce qu'elle dit? Oui. Tu l'as tué par accident, ton oncle. Ton tonton, comment tu as fait? Ma grand-mère m'a appelé. Parle fort. Ma grand-mère m'a appelé pour retourner dans sa chambre avec elle. Hein? Ma grand-mère m'a appelé pour rentrer dans sa chambre avec elle. Mm-hmm. Elle a un gros canard. Ta grand-mère a un gros canard dans la chambre. Elle voit tout là-dedans. Elle voit tout dedans. Et puis? Elle m'a appelé, elle dit de venir. Parle fort. Elle m'a appelé, elle dit de venir.
qu'elle va dire de répéter. Oui. Elle a commencé à parler, parler avec un répéteur. On n'entend pas, parle. Elle a commencé à parler, parler aussi, donc il répétait ce qu'elle disait. C'est ça, mon nom qui venait. Il était descendu du car. Mm-hmm. Il prenait le tas, il est venu devant la pharmacie, c'est pour là. C'est ça, deux bacs à venir parler. Le coin. Ah donc, vous avez vu ça dans les Canaries? Tu le voyais dans les Canaries, il est dans du car. Il a pris le taxi, vous l'avez vu. Vous avez envoyé deux bagages sur lui. Pour le tuer. Hein? Et ça t'a fait quoi? C'est un éveil. Il t'a tué qui encore? Tu as tué combien? Sept personnes. Sept personnes. Et tu les manges? Tu mets quelle partie? Hein? C'est un vrai sorcier. Les tripes. Elle m'a un triple. Le ventre. Estomac, intestin. Sauce claire, foufou. C'est certainement ce qui est dans le ventre. Elle ne cherche pas loin. Pour chercher, non, il y a os, tout ça, ça va fatiguer ses dents. C'est tripes. Vous avez dit? Non. Tu as tué? Oui. T'as tué qui? Petit maman. Hein? Petit maman. Ta propre maman. Il est venu avec qui? Maman. T'as tué ta maman. Comment t'as fait? Elle vient dans ses sons. On n'entend pas bien. Elle vient dans ses sons. Elle a parlé bien, on a compris. Hein? Elle vient dans ses sons. Les micros, vous ne pouvez pas brancher ça. Mm-hmm. Là, c'est un sort. Mm-hmm. Le pasteur Félix avait fait ça. Oui? Non, l'est, tu ne peux pas faire. Tu sais faire? Mm-hmm. C'est toi. Mm-hmm. Tu as lancé quoi? J'ai lancé un sort. Comment tu as fait le sort? Il a parlé, il lui a dit que non. Que elle va avoir mal au rein. Mm-hmm. Et puis dans quelques jours après, elle a eu mal au rein. Elle est morte. Oui. Qui est venu avec lui? Venez. C'est votre enfant? Le dernier? Non? C'est votre enfant? C'est lequel? Le 14 décembre. Le 14 décembre. Vous l'avez envoyé ici? Qu'est-ce qui vous a motivé à l'envoyer? Merci beaucoup. Quand on positionne bien, oui. Non, vas-y, puisque ça remonte, je ne sais pas. Elle monte le chemin. Quand les hommes de Dieu vont à Kwanda, moi je suis enseigné à Kwanda. Quand ils vont là-bas. Là au Kwanda? Oui, non, vous êtes au Kwanda. Ok. À la presse. Donc, ma femme beaucoup de prières. Ok, ta femme? Oui. Ok. J'avais deux femmes. Mm. Le papa et sa maman. Okay. Donc, quand elles vont en faire des prières, les hommes de Dieu disent que ils cherchent à me tuer. Comme on l'avait dit hier, moi je suis beaucoup négligent. Chaque fois, ça doit dire que j'étais en bas de voiture, pas j'ai une moto. Ok. Oui, j'étais en bas des voitures. Les gens te disent ça toujours. Oui, les hommes de Dieu. On te dit ça tout le monde. Ok. Donc, déjà, les hommes de Dieu viennent à la maison. Pour prier. Pour prier. Pour dire, qu'est-ce que ton père t'a fait que tu veux le tuer? Mm-hmm. Il ne parle pas, il pleure. Mais il dit rien. Il pense aussi qu'il est sorcier. Il n'a pas reconnu. Non, il a reconnu. Il a reconnu, ok. Mais c'est pas, il vient. Ok. Donc, avant, on peut dire son père adoptif à Lakota. Son père, ta femme, ça a été lui, sa mère? Non, sa mère est décédée en 2000. Votre propre femme? Oui, j'avais deux femmes. Ok. On est allé à Lakota. Ok. Au lieu de Lakota, ouais. Entre 20 et 21h, les clés de lune. J'avais mon phare. On n'était pas vivant lui. Et ma femme me tenait comme ça. La main, le bras gauche.
elle m'a appelé, elle m'a laissé. Elle m'a laissé. 5 minutes, 5 secondes après, j'ai crié. Ah, c'est quoi ça? Et ma femme me dit, heureusement, c'est ce que j'ai vu devant. Donc, elle dit, Beko, qu'est-ce que. Je suis mis au train en bas de la moto. Il y avait mon sac en bandoulière. Le sac est là. Non, vas-y, vas-y, allez-y, allez-y. Donc, le sac est rentré, la corde du sac est rentré dans les deux guidons. Et je suis en bas de la moto, j'essaie de me défendre pour enlever, parce que je craignais aussi l'échappement. Là, j'ai déjà brûlé deux fois. Donc, j'essaie d'enlever, je n'arrive pas. En vain. Et on n'est pas vu valure. Hein. Tu t'entends, il t'étranglait. Donc, j'étais à terre, puis j'attends. Beko, 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 je me suis dit, ah, la nuit là, qui c'est que je suis tombé, puis il m'appelle comme ça. C'est ma femme qui m'a quitté, c'est la petite vitesse là. On n'est pas, parce qu'on n'est pas en vitesse, hein, prophète. Ma femme, elle est loin, elle est tombée loin de moi. C'est qui est venu m'enlever la porte. Vous voyez ça. Maintenant, j'ai dit à ma femme me demande, tu as crié, c'était quoi? Dis donc, c'était pour m'a poussé dans le dos. On m'a poussé dans le dos. Vous avez senti comme quelqu'un vous a poussé. Oui, dans le dos. Mais on peut faire accident de moto, mais ça là. Là je me suis dit que l'homme de Dieu me parlait. Ah, donc tu savais déjà, on avait déjà dit. Oui, je vous l'ai dit plusieurs fois. Plusieurs fois que l'enfant cherchait à te tuer dans un accident. Oui. Okay. Donc arrivé à ma base à Boudou Panda, j'ai envoyé quelqu'un auprès de lui. Près de l'enfant. Personne ne le sait. Souffre. Il a envoyé du loin. Mais quand il a appelé l'enfant, il dit, viens. C'est dangereux. Hein? Va voir mon fils là. Parce que les hommes de Dieu disent là, depuis là. Non, toi tu as négligé. C'est seulement, tu vois, vous avez dit ça avant. Si. J'ai négligé. Mais bien avant ça, même, je suis allé au champ avec ma femme à 16h pour prendre le manioc. Il n'y avait rien. J'ai eu des petits trous, donc j'ai voulu bien garder pour que ma dame ça serre bien. Donc, elle a descendu son pied là. En même temps, elle est assise. J'ai dit, arrête, ça vient à partir, c'est quoi? Et, ah, Beko, je suis blessé, hein. Tu vois, la cale là, ça a déchiré ma femme là-ci. Dieu aidant, ça n'a pas touché son air, son aile là. Du coup, ça fait un trou. Oui. Il a été cousu même. Moi, j'ai pensé à tout ça. Puis, j'ai envoyé un monsieur près de mon fils. Près de 4 heures du temps, dimanche. Là. Ton père, il va aller quelque part. Où. Si tu dis pas la vérité, c'est ta mort. Parce que je connais ton papa. Il a dit au monsieur, il n'y a rien. Donc, il était revenu chez moi à la maison. Et à mon fils, il a dit, tonton, allons, on était assis là-bas. J'ai parlé. Non, ma grand-mère m'a ici. Donc, les gens qui sont ici là, on a un clan ici, on a dit de donner mon papa. Il dit, je ne veux pas de boire. Donc, il me fatigue. Il me trop fatigué. Il me fatigue. C'est quoi tout le temps je suis malade. Il y en a qui disent ça. C'est pour ça qu'il est tout le temps malade. Et pourtant, pardon, vous avez dit ça à mon papa. Mais moi, j'aimerais que quelqu'un me voit donner le retour. Ça, c'est clair. Non, lui, il a peur parce qu'il est sous les menaces. Il a même dit que là-bas, là, si on te frappe avec les fuites de fer, je le confirme. J'ai une collègue qui est venue ici. Lui, Rachel. Je suis triste. Oui. Directeur. Je n'ai pas entendu parler de Crasso. J'attends, on dit Crasso joue le main. Il sait qu'il faut aller là-bas. Il est de quelle clinique. Si ce n'est pas bêté, il doit être président. Il dit que c'est la même chose. La vie est bêtée, c'est la même chose. J'ai appelé mon fils. Il dit, c'est grâce. Il n'y a pas de ta faute. Ta grand-mère qui t'a initié, comme tu le reconnais. Voilà, Dibo.
Tout content là-bas. Il te délivre les gens. Tu peux t'avouer qu'il t'a délivré. Il a sauvé toute la famille, même le village. Il a sorti. Il a sorti. Quand on est arrivé, on n'était pas là. Vous concluez comme ça. Donc, je suis venu avec trois. On ne sait jamais. Ok. On ne sait jamais. Okay. Donc, je suis en train de parler avec eux. Si on va régler le problème. Donc, mais est-ce que vous-même, vous l'avez envoyé l'enfant, c'est vrai. Mais franchement, il faut que vous-même, parce qu'on va commencer par un truc, il faut que vous acceptez Jésus. C'est bon, tu vas à l'église. Non, c'est faut laisser. Tu vas à l'église, mais le petit te jette, t'as fait tomber un moto. J'ai même. Je n'ai pas fini. Donc, ça c'était mercredi, je suis passé. Bon, je l'ai dit, bon, allez, vous allez à Divo. C'est là, vous allez sur le grand frère. Ok. Vous allez à Divo. Vous prenez un taxi là, par exemple, la maîtresse va dire, vous prenez, on va chez le prophète Trasso là, vous allez partir là-bas. Franchement. Bon, allez, je viens. Bon, j'ai dit, le prophète, il y a eu quand même peur. Quand il est parti, il sait que je vais venir, j'ai dit lui là, j'ai dit soir, il dit, je ne viens pas. J'ai allé, j'ai vendredi. Et vendredi, il y a un qui m'a appelé. Et il a demandé, mais papa l'a dit, il vient quand? Papa dit, il vient la nuit là. Bon, quand je revenais, après Boubo là, en provenance de Lakota, oui. J'ai demandé Boubo pour venir, la série SD là. Oui, c'est ça. Je suis tombé dans un petit trou là. Et la roue avant a éclaté. J'ai dit merci au Seigneur parce que j'étais en casque. Je suis tombé sur la tête ici. Tombé. Un monsieur qui s'appelle Balo, je ne le connais même pas. Après, je suis tombé net. Il dit, mais il y a quoi? Qu'est-ce que vous a poussé? Ah, c'est ça, oh. C'est lui qui m'a ramassé. Si il n'est pas la même, ça sera trop loin. Il dit, c'est que je suis tombé. Il m'a essayé. Actuellement, même, ma moto à ST. La route, c'est la jante qui reste devant. Okay. Lui, il a envoyé une vieille sorcière. Ils n'ont plus Dina. Elle a acheté ça dans un ravin. Il n'a pas longtemps à régler ça. La vieille, elle est sortie. Et il n'y a pas de problème. Lui, côte, tête. Et toi, un bubé de balai. C'est toi qui as attrapé une vieille sorcière pour l'envoyer. Tu es chrétien? Non, il n'est pas chrétien. Tu te trimbales une vieille. Depuis Zonoula jusqu'à Divo. Elle a jeté le ravin. La vieille, tu es chrétien? Non. L'autre même pas à peine il parle, tout son corps lui fait mal. Elle t'a montré. Bon, pour dire en un mot. J'ai compris le conseil que vous avez dit. Oui, mais j'ai dit encore le conseil. Nous on est là pour vous donner le conseil. C'est pour dire, c'est vrai. C'est un problème de sorcellerie. Mais tu dois t'amener aussi à prendre conscience. Comme tu l'as si bien dit, c'est parce que les choses n'ont pas encore arrivé que tu négligeais. La négligence, c'est la plus grande des maladies. Et la spiritualité a horreur de la négligence. Franchement. Et je pense que c'est le départ de quelque chose. Heureusement que toi, tu étais déjà averti. Mais comme tu as banalisé la chose. C'est le mot. Si, il a banalisé. Oh, il y a beaucoup qui banalisent. Quand on a dit les sorciers étaient tués, ils banalisent. Non. Ils vont me faire quoi? Toi, t'es qui? Même nous comptons sur la grâce de Dieu. Moi, ma prophète Trasso, c'est mon domaine, mais je compte sur la grâce de Dieu. Je dis, non, je suis prophète Trasso. Non, il dit, c'est la grâce de Dieu. Comme je compte sur Dieu, nous ne pourrons rien. Sinon, c'est la grâce de Dieu. Si son sujet de Dieu a démangé, si Dieu n'est pas avec toi. Non, c'est pour dire, c'est vrai, la foi a parlé. C'est vrai que Dieu sera l'œuvre de délivrer. Mais en même temps, non, ici, il sera délivré tout de suite. Dans les minutes qui suivent, ça va partir. Nous, on n'a pas, on t'a pas l'esprit. Mais toi, à qui Dieu a épargné la mort, c'est-à-dire que Dieu devait t'épargner la mort, il faut que tu marches avec Jésus. Tu as dit tout à l'heure que tu allais à l'église, ça ne suffit pas. Voilà, ça ne suffit pas. Il faut devenir chrétien et la chrétienté, c'est dans le comportement, dans sa vie de chaque jour. Je vous dis, avant d'aborder, c'est vrai le sujet, mais je pense que tu as compris. Si, je pense que tu as compris. Je pense que tu as compris et je pense que l'enfant va l'aider.
ce petit m'a aidé. On va l'aider à marcher avec Dieu. Lui-même, il devient une menace. Dans la société, c'est ça. Hein? On va te fatiguer jusqu'à ce que tu sais. Amen. Non, merci à Dieu. Pas lui. Levez votre main. Vous-même. Vous demain. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je décide. De t'accepter. Comme sauveur. Et Seigneur. Personnel. Entre dans mon cœur. Et fais de moi. La personne. Que tu désires. Que je sois. Merci. De m'avoir accepté. Pardon tous mes péchés. Au nom de Jésus que j'ai prié. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 Merci encore pour ton serviteur. Que tu viens te racheter par ta grâce. Et tends ta main et manifeste-toi. Encore pleinement dans sa vie. Je compte sur ta grâce. Petit, viens. Tu as attaché ton papa dans un fromager. Hein? C'est vrai ou ça? Je vais prendre la main. Je libère son âme. Merci Jésus. Puissance de Jésus. Amen. C'est parce que l'âme est encore pendue, hein, attachée à un arbre, que les choses se sont accomplies. C'est la grâce de Dieu. Tu as détruit ton papa. Tu dois emmerder. Qui t'a donné la sorcellerie? Comment t'as donné? Elle t'a envoûté comment? On va te délivrer ton ombre. Hein? On va te délivrer. Ton papa il t'aime. Rentrez. J'ai vu parler ton papa là. Il t'aime bien. Mais c'est le sorcier qui ne veut pas. T'as compris? Non, ton papa il t'aime bien. C'est pour ça qu'il t'a envoyé ici. Si il ne t'aimait pas, il allait te frapper et puis t'envoyer quelque part. Mais c'est parce que ton papa t'aime qu'il t'a envoyé ici pour qu'on te délivre. T'as compris? Voilà, c'est eux qui vont perdre la chose. Toi, tu dois vivre, t'as compris? Ton papa aussi doit vivre. Et toi, tu as une vie. Tu es encore très petit. Il y a encore toute une vie devant toi. Et on va t'enlever ça. Tu veux? On va t'enlever la sorcellerie. Qui t'a donné la sorcellerie? Vous voyez que la sorcellerie, c'est dangereux? Hein? Ok. Vous voyez pourquoi nous autres, nous combattons la sorcellerie? Les gens sont là, non, pourquoi on parle de la sorcellerie? Vous voyez comment ça travaille? Bon, lui, il a été démasqué. Et c'est ceux qui sont là, dans la nature, qui n'ont pas été démasqués et continuent le travail. Non, ça n'existe pas. Mais écoutez, ça existe. Lui et moi, on ne se connaît pas, il ne me connaît jamais. Il a entendu parler de moi. C'est parce qu'il a vécu ça qu'il est venu ici. Vous avez bien écouté ce qu'il a dit. Chacun a une histoire, hein, à faire des sorcelleries là. Lui, il a eu son histoire. Hein. Amen. Lui, il a eu son histoire, c'est fini. Hein. Où l'écriture là, lui et Jésus, c'est fini. Hein. Oui, bien, mon frère. Hein? On acclame le Seigneur. Lui et Jésus. Oui, parce qu'on s'est dit non. À moi, ça paraît. Parce que j'ai fait quoi? C'est ça, on s'est dit aussi. Non, j'ai fait quoi aux gens? Et puis, on m'a tué. Pourquoi? Non, on banalise. Or, eux, ils agissent sans raison. Ils s'en fichent. Tu as fait ou tu n'as pas fait. Ils ont envie de te détruire. C'est tout. Vous voyez? Et puis ils étudient des personnes à qui on ne peut même pas penser qu'ils peuvent nous faire du mal. C'est ça le danger des innocents, des enfants. Et puis les enfants font des affaires. On dit, ah, vous pouvez créer ça, mais comment il peut amener les enfants à parler, dire des conneries? C'est que grand fait, enfant fait. C'est lui qui a dit. Lui et moi, on ne se connaît pas. Petit, tu me connais ça, va? Il est vraiment. Il a géré le vieux. Son papa, il a jeté la moto. Mais c'est ça, c'est la grâce de Dieu. Le sorcier ne loue pas sa cible. Non, il ne loue pas. Hein. C'est Dieu qui vous a sauvé. Quand
quand le sorcier te jette, pas pour t'essayer, c'est pour te tuer. Amen. Amen. J'ai béni le nom du Seigneur de t'avoir sauvé, donné la vie. Oui, parce que c'est important. Les gens ont besoin de vivre leur vie. Donc si vous voulez faire vos sorcelleries, faites vos sorcelleries, laissez les gens vivre leur vie. Voici un peu le combat que nous menons. Les gens veulent vivre leur vie. Si vous avez vos sorcelleries, mais vivez votre sorcellerie. Mais laissez les innocents vivre leur vie. Or, sans raison, on peut t'attaquer. Et puis, tu ne sais même pas. Tu dis, mais est-ce que le petit a pu être sorcier? Oui. Il y a longtemps, il est dedans. C'est dans la grâce de Dieu qui fait qu'on a commencé à lui dire ça. Ah, dans ton entourage, ils vont te jeter un jour. C'est pas jeter là qu'ils ont fait. Ils l'ont jeté. Lui-même l'a senti qu'ils l'ont rejeté. Et ça a été la grâce de Dieu. Qu'il n'y a pas eu de mort. Pourquoi? Parce que quelque part même, ils ont dû prier, n'est-ce pas? Hein? Quand, oui? Non, mais quand on t'a donné la révélation, ils ont prié un peu. Oui, non. Chaque fois, ils prient. Voilà, tu vois. Or, Dieu voulait lui montrer un peu qu'il c'était vraiment sérieux. Parce que lui, il négligeait la chose. Donc il a vécu ça, il a commencé à prendre ça au sérieux. Mais ce n'était pas suffisant. Il fallait régler le problème. C'est ce qu'ils sont en train de régler. Parce que je vais pas dire non, tu vas mourir, l'enfant est sorcier. Mais l'enfant qui est sorcier, là, il n'est pas là à acheter sa king cash ou à se causer la sorcellerie. Il a ça, tout confère. S'il a la sorcellerie, toute fois qu'il aura besoin de tuer, il va le tuer. Mais il faut lui enlever ça. Une fois ôté, c'est fini. Il devient un enfant normal. Sinon, lui, il est plus dangereux que tout. Vous le négligez, mais il est plus dangereux. Ça va, petit? Dieu va te délivrer, t'as envie. Dieu va te délivrer. Tu vas voir ton papa, tu vas plus le voir comme abouti. Il allait te manger un peu sous. Cabri, sauce à Godiamant. Quand tu manges, viens de l'homme, tu manges quelle partie? Hein? Tu as compris? L'enfant l'a mangé les cuisses. Il dit, mes cuisses. J'ai un gigot. Toi, tu manges bien cher. Hein? Où il n'y a pas os là? Tu as fait quoi? Quand elle t'a donné sorcellerie, tu as fait quoi? Elle m'a donné sorcellerie. Elle est venue la chercher. Hein? Et puis, on est parti dans son camp. Vous êtes parti dans son camp? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, pendant que les gens font des aveux, moi, je pense à ceux qui sont dans la nature. Pendant que nous sommes mentales, ils sont en train de tuer des gens. Et ça dit aux gens. On se tait, on dit rien, c'est ça. Et je perds. Oui. Et puis tu as tué. Elle t'a amené dans son camp. N'est-ce pas? Vous êtes beaucoup, vous êtes nombreux. Je vais voir les vides, elle est un peu vite à toi. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit d'aller tuer les gens. Et puis tu as tué. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu as tué combien depuis que tu es sorcier? Comment tu t'appelles? Je retiens quoi? C'est trop long ton nom. Et comment? Je m'appelle Natona Bill Stanley. 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 On ne peut pas t'aimer, t'as donné un nom sur toi. Stanley. C'est Stanley, non? Ouais. Tu as tué combien depuis que tu es sorcier? Hein? 70 personnes. Vous comprenez? Tu as quel âge? 14 ans. Il a 14 ans. À 14 ans, il tue 70 personnes. Et s'il vous plaît, nous, le nombre déjà de tueries, c'est déjà quelque chose. Par rapport à... Donc ça veut dire que c'est un chef. Il atteint le stade numéro 2 en matière de sorcellerie. 70 personnes. Comment tu fais pour tuer les gens? Je prends les âmes. Et comment tu prends les âmes des gens? Les envoûtes. Oui, oui, non, on sait. Mais comment tu envoûtes quelqu'un? L'âme, j'ai été, regarde sa minute. Ah, vous avez compris? Vous qui mangez, ne priez pas là. Où vous faites ça? C'est là qu'il devient saint, il regarde le ciel. Il est des féticheurs. Vous priez, vous voyez manger, vous ne priez pas. Ouais, mais... C'est quand ils font une manière, ah Seigneur, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. C'est ça qu'ils ont envie à faire. Le chrétien doit avoir cette culture-là.
La Bible dit tout est sanctifié par la prière. Quand tu vas acheter viande de mouton, là, tu sais quoi que le Dieu l'a dit. Il n'a qu'à venir encore, il en voûte. S'il mange là, il n'a qu'à trembler pour venir payer. Tout ça, je vous disais la dernière fois, quand mon cœur va trop chez quelque part où il y a le loco, il dit non. Pourquoi c'est toi dans le loco qui va me déplacer dans l'engrais jusqu'à ma courue commence? Pourquoi? Il y a plein dans le loco engrais ici. Moi, c'est comme ça que je fais, puis j'ai débile là, justement. C'est que à loco, c'est à loco. Donc, tout est sanctifié par la prière. Vous comprenez? Tout est sanctifié. Ah non, son piment est doux, hein. Tu sais qu'elle a mis dans le piment? Elle fait piment, puis elle fait piment encore. Piment dans piment. Donc, c'est qui rend doux, là. Elle met dedans. Tu es envoûté. Quand tu te lèves, tu vas claquer en même temps. Tu vas claquer, plein, claquer. Tu prends taxi compteur. Pauvre. Tu es babobo à pauvre. Tu cherches quoi? Non, claquer. Madame, ton piment est doux, hein? Elle t'a envoûté. C'est pour ça que j'ai dit, il a fait dire, quand il regarde, il envoûte avec le regard. Vous comprenez? Ce que nous sommes en train de faire, c'est instructif. C'est-à-dire, c'est pour vous dire, si vous-même, vous ne prenez pas le christianisme au sérieux, ça va, le diable va vous détruire. Parce que le diable sait qui vous êtes. Il sait qui nous sommes. Il sait que l'âme du chrétien, c'est la prière. L'âme du chrétien, c'est la prière. C'est pour ça que la Bible dit de prier sans cesse. Or, la Bible déclare que tout est sanctifié par la prière. Amen. Nous ne devons rien faire sans la prière. Comment tu envoies d'ailleurs la nourriture? Comment tu fais? Depuis les malades, ça ne se finit pas ça? C'est teigne, ça ne finit pas? Ça va finir. Faut bien filmer tête là. Qu'est-ce qui a provoqué ça? Ah, on dit de tuer ton papa. Tu dis non. Après, on dit bon, t'es tapé. Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi ta tête? Ils ont tapé ta tête. Eh quoi? Fille de fer. Lui, t'es têtu. Ton papa, la même fois, l'envoyer. On fait cabri. Soupe de cabri. Ce jour-là même, là, il y a Globo Saka. Mon frère, Dieu t'aime. Hein? Il y a des gens qui n'ont jamais assisté à ça. Ils l'ont programmé, on les a tués. Or, la vie est faite de programmation et de programmation. C'est la chose. Le hasard n'existe pas. Ce qui nous arrive, c'est déjà programmé. C'est pour ça que nous, les chrétiens, nous avons le pouvoir de la déprogrammation. C'est pour ça que je vous conseille, à partir de 3h30 du matin, ayez une vie de prière. Levez-vous pour déprogrammer tout ce qu'ils ont programmé. Si tu connaissais l'aurore, tu n'allais même pas tomber même de la moto. Ben, tout serait à partir de 3h, 4h du matin. Tout se déprogramme. Eux, ils travaillent la nuit. C'est à partir de la nuit, ils programment l'accident que tu as eu là. À telle heure, doit faire accident. Et puis, c'est respecté. C'est pour ça que la vie, quand on dit, ah, tu es trop spirituel, c'est bon d'être trop spirituel. Il faut devenir super spirituel. Il faut voir le diable partout. Il est partout. Le diable, là, il est partout. La Bible même nous dit, malheur à la mer et la terre. Parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Car il a peu de temps. Le diable ne joue pas. Hein? La colère qu'il a, c'est pour nous détruire. Il te prend, il te mange comme croquette. Pah! Puis il avance. Il y a des démons, ils apparaissent dans le tartare. C'est un lieu satanique. À partir de octobre, septembre, novembre, ils sortent. Ils ont 4 jours, 4 mois sur la terre. Début janvier, ils rentrent. C'est pour ça qu'à partir de cette période, il y a des accidents. Les gens font des grands coups d'État. Il y a le camp Châtel qui est tombé en septembre. Le coup d'État de la Côte d'Ivoire. Il y a des démons qui ne peuvent pas faire une année sur la terre. Ils sont très mauvais. Il y a des choses que vous devez connaître. Le chrétien, il manque de connaissances spirituelles. Par exemple, lundi. Vous savez que lundi, ça veut dire lune. Parce que le nom, c'est le nom des astres que les Romains ont pris pour donner au jour de la semaine. Mardi veut dire Mars. Mercredi veut dire Mercure. Jeudi veut Jupiter. Vendredi, Vénus. Samedi, Saturne. Dimanche, le Dieu Soleil. Donc, chaque jour correspond à un esprit.
Donc, c'est des choses que vous devez savoir. Pourquoi les gens s'adonnent au cultisme pour avoir la connaissance, soi-disant connaissance. Mais or, la Bible a beaucoup de choses qui révèlent à l'humanité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous dites en un mot, on ne doit rien faire sans la prière. Et si vous négligez le programme de sorciers, ça vous rattrape demain. Peu importe le temps, mais ça va te rattraper demain. Parce que ça a été déjà programmé. Le système de la sorcellerie, c'est comme une administration. Même celui qui avait le sujet, s'il meurt, ou même il a été délivré, le dossier est là. La confrérie poursuit. Moi, j'ai envoyé mon papa, tu as mangé. Tu dis d'aller à l'église. Ok. Mais le dossier de remboursement, la dette, là, tu vas payer ça. Tu vas payer. C'est pour ça que nous, souvent, on va à l'église, on est convertis, mais on paye nos dettes bizarres de nos papas qui ont mangé les gens. C'est la grâce de Dieu. C'est pour ça que, compris, on annule les dettes sataniques sur nos vies. Amen. Amen. Est-ce qu'on a bien saisi? Si vous ne devenez pas super spirituel, c'est des bébés d'enfants, les bébés là, qui vont manger. Et sauce. Voilà là. Ça, c'est à midi. La placalé. L'enfant, il te coupe, puis il te mange. Tu es là, et puis il te regarde. Il sait qu'il est en train de manger. Tu meurs matin. Tu envoûtes avec le regard, c'est ça? Oui. Tu fais comment? Quand tu regardes, tu parles la nourriture. Quand tu regardes, tu parles la nourriture. Oui. Et puis qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir du temps dans le commandant. Hein? Avoir du temps dans le commandant. Et tu peux. Ton esprit s'en va dans le commandant. Hein? Ton esprit s'en va, puis il mange. Oui. Viens, mange. Oui, comment tu as détruit ton papa? Comment tu as voulu détruire? Tu as fait comment ton papa? Comment tu l'as attrapé? Comment tu as attrapé ton papa? Tu l'as attrapé comment? Allez le mettre. Attrapé comme mouton. Hein? Comme mouton. Ah, le bédi dit, t'as rendu mouton, hein? Mm-hmm. Tu l'as pris, ben. Ben. Tu l'as attaché. Mm-hmm. Et puis tu as fait quoi? Et puis, il a dit, Naka, il va rester là jusqu'à. Et puis, tout ce qu'il y avait, il y a quelque chose. Et puis, il a fini son maison. Tu es une mouton. Bé, dans Abla, tu es mouton, bé. Il dit, bon, lui, maintenant, il va finir ton argent. C'est ça? Tu fais comment? Alors, tout ce qu'il lui demande, il lui donne. Hein? Tout ce qu'il lui demande, il lui donne. Tu te donnes vraiment? Oui. Quand vous demandez quelque chose, vous donnez. Voilà. Il dit, quand vous demandez quelque chose. Moi, c'est mon fils. Si. Non, il dit, tu es dans tout aussi. Quand j'ai dormi, je m'en prie. Quand je voyais leur patin d'argent, tout le monde a fait ça. Mmh. Et puis tu as fait quoi? Tu as mis son argent où? J'ai mis son argent dans mon magasin. Dans un magasin là-bas? Dans mon magasin. Hein? Mon maladie. Dans maladie? Mmh. Son argent? Mmh. Donc il n'a accès à l'argent, son cas, il n'a qu'à dépenser. Mmh. Et comment tu arranges pour faire ça? Quand ils ont saisi l'argent. Mmh. Ton esprit le suit. Écoutez bien l'enfant, il dit quand son papa va chercher l'argent, lui son esprit de la sorcellerie suit son père. Oui. Et puis quand il revient, il tombe malade. Quand il revient, tu fais quoi? Il tombe malade, mais quelqu'un de la famille tombe malade. Ah, quelqu'un de la famille tombe malade. Et puis il dépense, c'est ça? C'est pas faux. Hein? C'est pas faux. C'est pas faux, hein? Quand on va dépendre l'argent, quelqu'un tombe malade, et puis des fois, tu as des dépenses inutiles. Comme pas quelqu'un, 2, 3, 4, on peut tomber malade. Non, tomber malade. Et vous dépensez. Ok, bien. Et tu fais ça pour lui. Madame lui, elle est prégnée dedans. Oui, mais il a dit. Lui, il est le champion dedans, c'est ça? Pour justement gaspiller l'argent de ton papa. Oui. Ok. Et puis, tu fais quoi encore? Hmm? Oui. C'est qui tu es en train de faire là? C'est en train de te guérir, hein? Oui. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est des choses que tu n'arrivais pas à dire. Ils ont fait un pacte de silence. Ils ne parlent pas. Oh, le jour que tu commences à parler, dénoncer la pratique,
ça te libère. Tu brises le pacte. À partir quand le pacte est brisé, le démon qui est en toi peut le chasser de ton corps. C'est ça qui les aveux, c'est important. Demandez à ceux qui ont fait les villages. Quelqu'un, il est sorti, il va confesser, il fait aveu avant de mourir. C'est même pas le prophète Crasso. Mais avant de mourir, les sorciers, il fait des aveux d'abord, et puis il rend l'âme. Parce qu'on ne met pas ça. Tu as des choses que vous devez connaître. Puis quoi? Gâter son mariage. Hein? Gâter son mariage. Tu as gardé le mariage? Oui. Cherche beaucoup de femmes. Hein? Hein? Tu n'as pas peur? Tu n'as pas un suicide qui ne fait pas ça? Un vrai suicide, il fait ça. Ou bien, ancien? Comme toi, tu es délivré. Il est délivré, lui. Il a un suicide corps habillé. Et c'est leur travail. Quand ils voient la retraite, ils comptent les enfants. C'est pas maison. Il y a combien d'enfants? Lui, là, comment il s'appelle? Il s'appelle Michel. Michel, ça va? Comment ça va? Comment? Il a peut-être 30 enfants comme ça. Partout, il part dans le village, il a fait. C'est le fonctionnaire du village, lui qui a l'argent. Amen. Voilà, puis il y a la sorcellerie qui met bonus. C'est ça le problème. Nous, les suicides, là, vraiment. Je leur tue le chapeau. Ben, tu ne sais pas le petit voyou qui est dans la classe là. Tu ne sais pas où il va la nuit. Mais il est là, tu le tapes. Tu vas taper. Il dit rien, Max, il est tout, tu connais. La nuit. Le petit va te jeter ta moto. Là, je sais, j'aime bien moto la nuit. Je te jette. Je leur tue le chapeau, hein. Dans nos villages, ils sont tous sorciers, les enfants, vous voyez là. Mais c'est la seule distraction. Ils ne peuvent pas regarder la télévision. Hein? Le jour où il vient, il y a vraiment une télévision, il reste là-bas. Il est là pour voir Paris. Il va à New York. Sa télévision, ça ne l'intéresse plus. Il y a quelle distraction au village? Malheur pourtant, il n'y a pas courant dans ton village. Ouh là là, il est le premier sorcier. Il n'y a pas de distraction. Que Dieu nous aide. Donc toi-même là, tu tombes malade. Mmh. Et regardez. Tu fais comment pour tomber malade? Tu serais mon camarade, hein? T'as appris? T'as allé où? Mmh. Toi, tu dois devenir grand demain. T'as appris? Mmh. Dis amen, dis donc. Mmh. Dis amen. Il faut que tu deviennes grand demain, n'est-ce pas? Mmh. Tu as devenir préfet, et puis le diable sera au nid. T'as compris? Tu as fait quoi? Mon âme. Hein? Mon âme. Ah, le petit, il a vendu son âme. Ça veut dire quoi? Pour devenir grand. Mmh. Hein? Pour devenir malade. Mmh. Et puis pour avoir des forces de pouvoir. Mmh. Ouais, parce que quand tu vends l'âme, c'est que tu as un autre pouvoir. Tu t'es changé en quoi? Aigle. Un aigle. Pour faire quoi ça? Pour tuer les gens. Donc aigle a son pouvoir, c'est quoi? Son pouvoir fait quoi? Oui. Papa, ton papa, t'a gâté qui? Hein? Ta petite soeur. Ta petite soeur, comment elle s'appelle? Marie-Laure. Majo. Majo. C'est quoi? Majo. Majo, c'est elle est là. Tu as fait quoi, Majo? Elle est restée. Vous êtes nombreux, hein? Tu as fait quoi, Majo? J'ai fait la première. Tu as fait quoi, la première? Mais qui t'a gâté chance? Qui t'a donné sorcellerie? Parce que quand tu as aigle, forcément tu dois donner sorcellerie aux gens. Tu as gâté qui? Tu as donné sorcellerie à qui? Mmh. Vas-y, vite, 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 vite. Mon frère s'appelle Emma. Emma. Oui. Et parrain. Hein? Et parrain. Quoi? Et parrain. Il dit quoi, parrain? Oui, j'ai un fils là, j'ai le nom de mon grand frère qui a parlé de nos manifestations au village. Ok. Oui? Tu as donné quoi? Attends, on te force pour parler. Il faut aller vite, vite.
Hein? Tu as donné ton sein à qui? À son parrain et Emma. Et puis à qui encore? C'est fini. Ta maman, tes mamans, tu blesses, tu fais tomber elle. Tu dis pas? C'est pas moi qui dois parler à ta place. Hein? Tu veux les tuer. Ça veut dire? Tu les as programmés. Ça là, c'est là qui parle. Oui. Tu as programmé qui? La maman. Comment elle s'appelle? Nina. Hein? Nina. Comment ça s'appelle? T'as dit quoi? Nina. Nina. Oui, Nina, elle est là. Nina, femme. Si, si, elle a dit. Tu dis ça. Petit, tu n'as pas envie d'être délivré? Oui. J'ai beaucoup, plein de boulot là. C'est vrai qu'elle torture tout ça. Chercher le pouvoir pour avoir l'argent, je vais devenir torture. Tu as fait quoi ça? Non, c'est le matin, comment avoir pour avoir l'argent? Toi, tu cherches à être oiseau torture. Maintenant, quand tu dis non, tu es torture, tu as dit les gens t'insultent. Franchement, va t'asseoir, on va poursuivre ça après. Tu as tué combien? 7 personnes, tu fais comment? Je ne pense pas mon chauve-souris et puis m'asseoir sur le pôle de la personne. Je suis sur le pôle. Tu t'assois, tu t'entraînes ma chauve-souris, tu chies sur le pôle. La personne, puis tu. Tu mords ses cuisses. La petite, elle explique bien aussi. Oui, puis qu'est-ce qui se passe? Je pense à la voix. Mmh. Il meurt. Il tombe malade. Et c'est toi qui l'as tué. Et tu fais quoi à son âme? Et tu manges aussi. C'est toi qui manges en, ici, là. Triple, là. C'est toi. Tu aimes l'intestin. C'est ça? Je te demande. Tu aimes les tripes. Faut parler ou bien? Tu as gâté qui? Tu as programmé qui? Moi, je suis plus après d'elle. Oui, vas-y. Tu as programmé qui? Mmh. Tu as gâté la vie de qui? Où elle est où? Comment la sorcellerie fait toi? Ça fait comment? Ça fait comment quand tu es sorcier? Tu veux être délivré. Vous êtes là depuis quand? Depuis 2 semaines. Vous êtes là. Comment vous avez su qu'elle était sorcière? Venez, madame. Comment vous avez su qu'elle est sorcière? Elle est riche. Mon petit l'a pris. Okay. L'a mené à gagner. C'est à l'église. Allez! Feu! Feu! La magie de travailler sa robe. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance. La puissance de Dieu. Soulevez la pasteur Charles. Allez, elle fait sa délivrance. Je poursuis. Allez, allez, fais la délivrance. Oui, toi. Allons-y. Mets-toi ici. On est vite, 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 vite. J'ai été. C'est là délivré. Bonjour, chers parents. Hein?